puisque c'est en tag, donc allez, Ryan face à Jeep, c'est la grande finale de ce Stadfest. Doudou Ryan ici, in extremis, il a fallu un peu le prendre par la main pour qu'il puisse trouver le chemin de Rennes, mais il est là, il est en finale, avec Luffy, et là où Genki s'est fait surprendre évidemment contre Jinx, le tout est de ne pas se faire surprendre ici, de réitérer tout simplement le match qui ne débute, Luffy, Dragon, saute pas s'il te plaît sur le grand. Impossible de passer par ici. Très bon de MK Hadoken. Hadoken un tout petit peu loin est absorbé par la série de Ryan qui pompe très bien. On a eu sa série d'attaque encore une fois pris. Pas moyen pour un Tiger Knee avec le Kizem de MK. Pas moyen pour un Tiger Uppercut. Ils seront encore la relever et il remet à l'eau. Et combien de stun, combien au stun groupier Dragon avec le premier du groupier cancellé. Tac 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 tac. Chip 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 chip. Ça gratte par ici, il y a du 2x là-dedans. Et une domination pour le moment de Ryan dans ce match. Assez. Oh, fin de saving pour Dash en avant. Et immédiatement rechauffé. Il a maintenu Jims dans le coin. Dans Tiger, ça ne passera pas. L'utilisation du Axe Somaki très intelligente de la part de Jims. Il lui permet de passer la chope. Ah dommage, il a raté sur le Kizem. Le cross-up whip. Et du coup, il rentre dans la chope d'un Ryan qui se remet dans le coin. Qui va prendre un dragon tout de même là-dedans. C'est la remise au coin. C'est le jeu de la remise au coin. Alors est-ce qu'il va se remettre au coin? Il se remet au coin. Allez, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a avec ce coin. Mais visiblement, il s'y sente bien. Et il veut y rester. Avant de bien se casser par la saving qui est chargée que level 1, Jinx, oh là, qui a lâché cette focus, pensait peut-être pouvoir choper les bras et les membres du gros Sagat pour essayer de passer une ultra, mais il n'arrive pas à progresser dans ce Tiger Shot, impossible, c'est l'échec qui est maté, il y en a en haut, il a cassé avec son gros pied, comme dans les colquettes, son gros poids, Flash on you, Jinx qui s'enflamme, le dragon ici, non, macro, reste dans le coin, c'était bien, et bien reste aussi, voilà, face à Dasuma qui cross-up, avec ça, donc quelque passé, et le dragon dans le monde, c'est arrêté la punition, c'est totalement improbable. C'est totalement improbable. Oh attention parce que là ça tourne sous l'affront, ça tourne sévèrement. Qu'est-ce qui se passe? Il est capable de tout. Il est fou, cet homme est dingue. Car un Tiger encore que voilà, Ryan qui reprend un tout petit peu ses esprits. Et qui saute, et qui dragonne. La focus cassée avec un nouvel over. Oh, le Tiger Dig avec cross-up. Il s'est remis dans le coin mais c'est tout simplement sous Dieu. Tiger encore que encore une fois, donc il aime qui peut être fatal. Tu as Tiger sur ton terre. Ouh, quasiment plus bas. Jim qui t'a rien, un comeback de l'enfer avec un vampire petit dragon. On ne sait pas. Donc elle casse le start-up du Tiger. Se revoit le bac de choix avec le dragon dans la gare. Et c'est fait. C'est fait une petite frayeur. Une toute petite frayeur. Une petite frayeur, mais Ryan prend le premier point. Et on se retrouve avec un set décisif. Remake de la finale Winner Bracket dont on a connu le dénouement. Un dénouement identique serait évidemment un petit signe de victoire au Stunfest. Généralement, dans l'histoire du Stunfest, les teams, le Japon ne passe pas. Est-ce que ça va être le cas ici? Est-ce que ça ne va pas être le cas? La question évidemment reste de poser. On sait qu'en un, Luffy est un adversaire redoutable, mais surtout sur scène, il est un adversaire redoutable dans son élément, dans les tournois. Mesdames et messieurs, le remake de cette finale Winner Bracket, Luffy contre Kid Deu. Et on pouvait peut-être parler de miracle durant le dernier match, même s'il n'y a pas eu de miracle, même si c'est tout simplement à la fois une gestion de pression et à la fois une gestion de l'intimidation ajoutée à un niveau de jeu exceptionnel qui a tout fait changer. Luffy contre Kid Deu. Il y en a pour Luffy ici. Il y en a plein pour Luffy ici. Ils veulent évidemment voir le joueur français s'imposer dans ce match. La belle Sabine et le Souspira qui passe tous. Stan Croppé, coup sur les têtes. Stan Croppé a pas dormi par la taille. Ça attaque très très vite hein, quand même. Dans ses buts. Spiral en haut dans Stan Croppé. Il a peut-être trouvé la solution pour poser des difficultés à Luffy qui est directement dans le coin. Avec la chope, je sais pas ce qu'il y a comme setup de. Oula, il a fait whiff Mickey de Stan la kick pour placer une chope. Luffy l'a vu encore avec Stan. Whiff finish par un Spiral en haut. Il est sérieux là qui n'est vu. Il a sérieusement rehaussé son niveau de jeu. Le backdash anticipé avec un Spiral en haut. Il a le temps de mettre la garde hein, sur ce extra strike. Mais juste, 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 juste. Ça touche pas.
Ça touche pas. Il a encore ses satellites quand même sur lui, même s'il ne va pas le punir directement. Tindevut qui recule, qui se met à l'abri, mais à l'abri dans le coin. Un coin qui visiblement ils affectionnent tout particulièrement dans ce stage. Avec le pressing de Loki, mais qui fait une glissade. Crossdown le remettant dans une position assez inconfortable. Oh là, avec ce spiral, on s'en fout. Allez, faut punir. La dernière punition de Rose, c'est Balien. C'est MK, ça empêche de c'est MK. Bah voilà, le spiral avec la balle de match apportée. Les punitions de choc. Les punitions de choc. Attention à cette Loki, parfaitement gardé. La défense incroyable de Loki. La défense et la balle de match entre les doigts du joueur français à la manette de PlayStation 1. Décidément inimitable. Première version de gars partie du vu avec ce 2LK. Le petit jump parfaitement anticipé, mais il a quand même pris un strike dans sa balayette. Attention, un combo ici, ça peut être le stun. Le bagage est bon. Le wagon va être absorbé. Avec encore une fois, l'Ultra qui va le pouvoir sauver. Oui, et oui, rien à faire. Et il cherche à la sous-trop. Et le stack qui plie. Et il le rechappe. La mise au sac est importante. Et ça bourre. Et ça pisse. Et il est dedans. Il est complètement dominé. Mais c'est le combo d'Ouf, il est raté. Il a pris maintenant un sérieux avantage dans la victoire. La save est bonne. Et voilà. Luffy et Ryan Hart remportent ce Stunfest en team. Deux matchs, deux victoires, aucune défaite. Luffy qui met...